Oui, exactement. Merci de m'avoir signalé que j'étais mute. Alors, du coup, je disais, mais ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, comment ça, je joue en scred? Absolument pas. Pas vrai. Ce n'est pas vrai. Du coup, bonsoir tout le monde! Allez-vous bien? Oh, moi, je vais. Oh, les gars, moi, je vais bien. Oh, là, j'ai passé une sacrée journée. Hein. Oula, c'est chaud. Le thé est chaud! Pour ceux qui se demanderaient, j'utilise une version post-nerf pour Mers Fourrure là. Ah, par contre, oh, Naibot. Ah, Naibot, désolé, mec, tu dis de la merde. Alors, est-ce qu'on l'OTK? On l'OTK? On l'OTK, le petit gars. Ah, attendez, le Naibot dit de la merde, hein, le concours est terminé. Je vais invoquer Spé le Seal. Le Seal brillant, ça me fera gagner plus de points à la fin, voilà. À moins qu'il ait Sphère Kuribo, ce qui est tout à fait possible. Hein. Ça attaque direct sur un Yami Yugi. Un Yami Marek. On va prendre ça. Tu pourras le présenter, SVP. Non, je le présenterai pas, mais je vais vous mettre la decklist après, là. J'irai la faire. Dinah. On invoque Dinah. Hop. En mode attaque. On l'a sacré OTK. Hein. Sacré OTK. Hein. Le mec s'est laissé faire. Après, j'imagine qu'il a peut-être bien une sphère Kuribo pour s'être laissé. Il n'y a rien. Waouh! Waouh! Incroyable! Nouvelle fenêtre. Je veux une nouvelle fenêtre de Chrome pour aller voir Nightbot. Hein, puisque il faut que je lui enlève le concours. Sinon, il va vous le spammer. Sauf qu'il n'y a pas de concours actuellement. Il va bientôt y avoir un concours pour fêter les 1000 followers Twitch. D'ailleurs, si vous ne me followez pas sur Twitch, c'est bien dommage puisque vous ratez d'autres lives. Puisque je n'en fais qu'un seul par semaine sur YouTube. Mais sinon, j'en fais d'autres sur Twitch, sur Duel Links et Pokémon dès mardi. Tous les mardis, Pokémon, Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Ça va être plutôt cool. Alors déjà, faisons les trucs dans l'ordre. On va faire... S'il te plaît. Duel Links a un petit peu de mal là. Hop, écran. On va lancer une game en attendant. À skip le deck Mers Fourrure va être nerf. Oui, il va être nerf. Justement, là c'est la version nerf que j'utilise. Sans... Sauf que y a pas encore... Il n'y a pas encore... comment ça s'appelle? Ce n'est pas skip exact. Sauf que Raclée devrait être nerf et j'utilise quand même Raclée. Hop. Donc, tant que ça lance, je recadre ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir la decklist. Merce. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de me demander comment je joue Merce Fourrure après la banlist. Hop, on va faire ça. Voilà. Ok. Bon, c'est mon ordinateur qui frisait. Beto down. Ajouter source. Fichier multimédia. Image. Où est-ce que j'ai mis la decklist? Je l'ai mise ici. Et du coup, on va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Vous avez la decklist en bas. Et nous avons Alan 9462 qui vient de follow, bienvenue à toi. Alors, Atronaut. C'est compliqué. C'est compliqué, mais... Je vais partir sur un beat. Ouais, t'as quelque chose pour contrer, hein. T'as quelque chose là. J'attrape perfide après sinon. Fritz Follow! T'as eu le troisième Oja match? Oh oui, mec! Les mecs, genre, j'arrivais pas à en avoir jusqu'à hier. J'en ai eu deux en deux duels. Et j'arrête pas d'en avoir maintenant. Je crois que j'en ai cinq ou six. Donc, je suis plutôt bien. Donc, je suis plutôt bien. Je vais pouvoir vous montrer ma version finie que je présenterai en vidéo. Enfin, je vous montrerai pas la decklist puisque je veux pas spoiler la vidéo. Mais vous verrez le deck en action, quoi. Yep. Bon, par contre, avec ton deck de 30 cartes, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait 30 cartes. Pourquoi tu joues pas un lien puissant et cyclone cosmique?
Lien puissant? Comment ça, lien puissant? Cyclone cosmique. Faut juste. En fait, parce que dans Mers Fourrure, faut avoir beaucoup de monstres. Et je préfère jouer Hatred. Puisque, en fait, Mers Fourrure n'est pas un deck contrôle. Tu joues Cyclone cosmique quand t'es dans un deck contrôle pour éviter les match-ups qui veulent jouer dans la durée. Là, on est sur un deck OTK et. Faut utiliser les Hatred pour dégager les cartes face cachée de l'adversaire et ça suffit largement. Tu sors quand la vidéo sur Ojama? Sûrement mardi. Quel est ton deck du moment quand tu fais du ranked? Celui-ci. Je suis à 17 Armed Dragon, je veux pas les je veux les autres cartes. Ah oui, mais faut... Après, si t'es vraiment dans le mal, faut utiliser un deck de farm, hein. Pas l'auto-duel. Puisqu'il part demain matin. Hein. Chad s'en va. Il m'en donne un, tu me le donnes? Ouais, j'avoue. Les échanges sur Duel Links. Cyclone Cosmic, sinon pour remplacer Hatred à la limite. Même si Hatred est bien mieux. Bon, par contre, c'est quand il veut qu'il joue. Hein. Ou les flèches, mais en fait, le problème... Dans Mers Fourrure, Hatred est bien mieux. Puisque, en fait, tu vas pas pouvoir en TK avec les flèches. Puisque si jamais... l'intérêt d'Hatred, c'est de renvoyer les cartes avant que tu invoques tes monstres. Puisque, imaginons que l'adversaire a un Canadien face cachée et que tu veux aller au TK avec Mers Fourrure, tu vas invoquer ton beat, comme je viens de le faire. Le mec va te faire Canadien et là, t'es là. Bah, je suis... Ok, j'ai encore mes flèches en main, mais je vais pas pouvoir les utiliser puisque je vais pas passer en Battle Phase, je vais pas invoquer tous mes monstres. C'est pour ça que Hatred est bien mieux. Tu penses que Ojama sera assez viable pour monter en ranked? Non. C'est vraiment du deck fun. Bon, je vais gagner autant hein, si ça continue. Ah, du coup, il faut que j'aille voir Nightbot en attendant. Vous me dites, hein, si jamais, voilà, il revient, l'autre. Timers. Ah, apparemment, j'ai gagné. Delete, le concours. Cancel. Delete. Voilà. J'ai enlevé ça, c'est bien. Alors... Du coup, il a perdu, hein, pauvre monsieur. Et par contre, on en parle de... Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire sur deux de mes dernières vidéos. Numéro WhatsApp STP pour discuter. Par contre, vous croyez vraiment que je vais vous donner... Déjà, est-ce que j'ai WhatsApp? Non. Est-ce que je vais vous donner mon numéro WhatsApp si je l'ai? Si j'en ai un? À quel moment? Non. Donc calmez-vous. Si vous voulez me contacter, vous me contactez via MP Twitter... Via Discord, mais par contre, il n'y a aucune autre plateforme. MP Twitch, mais c'est pas ouf. Parce que c'était 06 pour. Merci le deck invincible de Duel Links. Non. Il y a un très bon taux de win, mais ce n'est pas un deck invincible. Si vous pensez que c'est invincible, c'est que vous ne savez pas jouer au tour. Hop. C'est que vous n'adaptez pas. Ils ont tous 30 cartes en face, hein. Je veux dire, si vous pensez que c'est invincible, c'est que vous n'utilisez pas les staples qui contre justement Mers Fourrure pour augmenter vos taux de win. Puisque il faut mettre des Canadiens, faut mettre des Trap Van, faut mettre des... Pas forcément Trap Van. Si, Trap Van aussi. Trap Perfine aussi. Beat, Épéiste. Wiz, activé. Il y a Momo sur Duelix. Les pires. On peut pas sur Discord, il y a un mec qui se fait passer pour ça. C'est les pires. Graal interdite. Oui, Graal interdite toujours aussi bon. Je trouve que ça reste quand même moins bien. Genre Canadia, c'est beaucoup mieux, je trouve, puisque le monstre est en mode défense, tu fais rien derrière. Une carte face cachée. Deux cartes face cachée. Pas besoin de ton WhatsApp, je cherche ton adresse sur les pages jaunes, mais je commence à croire que Alex Wiki est un pseudo car je trouve pas. Ça. No, I don't speak English. Ah oui, c'est vrai, il fait ça. Demain, c'est le début de quel event, Tristan? C'est le début de l'event de Bakura avec les dés. Finalement, c'est pas Duke. Terrible. Ils ont fait selon le manga. Du coup, c'est Bakura. Mm-hmm.
c'est pas ouf. C'est pas ouf ce que j'ai là. Merce Momout, même avec la baliste, reste, ce deck restera OP. Il restera très bon. Hein. Par contre, il aurait dû activer ça en stand-by. Hein, puisque du coup, moi, je suis très très bien là, actuellement. En vrai, ça m'arrange qu'il détruise mes cartes. En vrai, ça m'arrange tellement. Le problème, c'est que je vais perdre Wiz. Et Wiz, j'aurais quand même bien aimé la garder. Mais non, j'ai de toute façon, j'ai la pagaille. Duke était chiant dans l'animé. Ah merde, je voulais pas activer. Bon, du coup, j'ai fail. Vas-y, active-en une autre. S'il te plaît. Oh mince. Du coup, je vais invoquer spécialement Daina. Ouais, on va faire ça comme ça. Non, c'est pas l'événement Duke, c'est pas Duke en fait. C'est Bakura. C'est l'event DD mais avec Bakura. Beat, épéiste, merce, fourrure, oui, bien sûr. On va rajouter à notre main. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre main? Une autre Wiz, hein, puisque c'est terrible. C'est terrible, j'en ai plus. Ça me fait rire quand tu fais le contraire de ce que tu penses. Mais arrêtez, hein. Pas ma faute à moi. Du coup, elle a déjà activé son effet et ça me casse les couilles en fait. Genre, si c'est un mur d'interruption derrière, c'est Siegfried dans Duel Links, pourquoi pas en vrai. Oh, ça m'a saoulé. Je vais bien taper, mais. Ok, il a rien derrière. Il n'a rien derrière, j'ai pas compris son deck. Ça doit être un vieux deck burn. Qu'est-ce qu'on me raconte? Go limiter trap perfide à 1 kappa. Ça pourrait être quelque chose à faire. Trap perfide limité à 2. Ce serait quelque chose de bien. Comme ça, si tu joues un deck méta, tu peux pas jouer de trap perfide. Oh, c'est vrai qu'il a ça. Mur d'interruption à 2, je vois pas du tout l'intérêt en fait. Hein. Je vois pas du tout l'intérêt. Est-ce qu'il arrive à Moteka? Non. T'as que ça? Ah oui, il fait ça juste pour la défensive, ok. Comment on fait pour avoir la compétence raclée? Avec Crawler ou Kaiba? Bientôt roi des jeux? Ouais, on n'y est pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Hop. Allez, on tape du coup ces petits cyberdragons proto. Il n'y a toujours rien qui s'active, je ne sais pas quelles sont ces deux cartes face cachées. Voilà, et on termine le tour. À chaque déblocage de perso, on obtient sa carte maîtresse. Ne crois-tu pas que les cartes maîtresses de 5D pourraient être un peu trop fortes? Faut réussir à les invoquer, faudra voir. Stardust Dragon, je trouve pas ça hyper cheaté, surtout sur Duel Links en fait. On n'a pas encore énormément d'effets qui détruisent les cartes sur le terrain. Enfin, ça, ce sera un nerf à trap perfide, hein. Ça ce sera bien ça. Ça ce sera bien. Ah, Naibot suspend des gens. Black Rose Dragon. C'est quand même pas mal de. Ça peut être pas mal de ressources pour détruire le board, pour se remettre à zéro. C'est pas si mal en vrai. Je pense, les deux là pour l'instant, je pense que c'est pas trop cheaté. Dragon Rouge Arc Démon, c'est pas cheaté. En fait, les 5 dragons, puisque si on a le dragon électromécanique et le dragon féerique, l'ancien dragon féerique, eux non plus ne sont pas cheat. Si on a le maître des armures pour Crow, ça pourrait être un peu trop fort. Sinon le reste... S'ils mettent gardien Goyo, oui, ça pourrait être assez vénère. On va poser ça. On va changer en position d'attaque, hein, puisque là, il faut me faire des dégâts. Hein. Là, les gars... Oh merde, j'ai oublié de mettre ma raclée, du coup. Tu devais pas nous montrer un deck au Jama, Alex? What the fuck? C'est quoi ce deck? Attendez, il faut que je regarde son deck, là, puisque il est trop bizarre. Mais je présente le deck mardi. En fait, c'est parce que... je devais le présenter mardi dernier, sauf que je n'avais pas les cartes encore. Je devais le présenter ensuite vendredi, mais je n'avais toujours pas les cartes. Donc bon, hein, c'est pas trop facile tout ça. Qui est...
Oh, ok. Alors ça, tu me diras pourquoi tu joues ça, puisque t'as pas d'autres monstres guerriers feu dans ton deck. Tu joues des trucs chevaliers nobles. Bon, t'as pas de chevaliers nobles, mais tu peux quand même les placer. Oh lolo, c'est effrayant tout ça. Oh, c'est effrayant tout ça. Oh, ne jouez pas ça, les enfants. Pietro n'a pas fait. Non, non, non. T'as pas une astuce pour avoir des gemmes, Alex? Monte le niveau de tes personnages. Fais les events. Non, ils ont nerf les gemmes sur les events. C'est surtout les. Fais tes phases. Fais du ranked. Et fais. Faut jouer régulièrement déjà. Et ouais, monter le niveau de tes personnages puisque tu gagnes énormément de gemmes en faisant ça. I see you! Mais c'est. Je suis contre le zoo! C'est pas possible, ils ont tous 30 cartes! Huh. On va poser ça. Non, il y a 30 cartes, il va pas m'OTK. On veut une main phase 2. Eh non. Les lignes sur Duel Links, ça risque de rendre le jeu imbuvable. Non. Je ne pense pas. T'es en silver? J'ai l'impression d'être en silver, c'est terrible. Deck Chevalier Gemme, c'est viable, exactement. Chevalier Gemme, c'est pas méta, mais ça reste un bon deck. Ah, mais je vais pas me plaindre, j'ai des free wins, ça va. Ah, si tu veux un bon deck, t'investis dans Merse Fourrure. Enfin, j'ai envie de voir ce que donnera Merse Fourrure après la banlist. Voir si c'est toujours aussi populaire. Puisqu'en vrai, est-ce que les gens joueront toujours raclé avec Merse Fourrure? Je pense que c'est une possibilité, mais je pense qu'on peut utiliser d'autres compétences. Comme le tombeau scellé, des trucs comme ça. Oh là. Oh là là. Ah oui, il y a une puissance aussi. Ah, oh non. Oh là là. Bon app pour ton petit thé. Mais c'est vrai, un lien puissant peut être très très bien pour le deck. Oh. On peut faire mal. Je peux essayer de faire des premiers dégâts, après on ferait trap perfide. Est-ce qu'on a envie de Aetronade? On n'a pas l'OTK. Mais j'ai pas envie de me prendre quelque chose derrière, donc on va faire Aetronade. Oui, il y a les gemmes avec la fontaine aussi, c'est pas mal. Hop, non. Dans cet ordre-là. Donne pas tireur Merse Fourrure d'abord. Activez l'effet. Invoquez Seal. Inatakomodo. Et on va activer l'effet de Donne pas. Nous allons détruire le oiseau. Le oiseau. Ça sert à quoi? Deux trappes perfides. C'est pour augmenter mes chances de l'avoir. Même si la deuxième sera useless, ça augmente mes chances de l'avoir dans les premiers tours. Ouais, enfin, la deuxième sera useless si on utilise la première. Ou après, tu peux faire éventuellement une double trappe perfide si l'adversaire a 3 monstres sur son terrain, tu détruis les 3 monstres. Mais. Vu que tu les actives en même temps, tu peux les activer en même temps puisque t'as pas de piège au cimetière. Une carte face cachée. Ok. S'il fait le rituel après avoir invoqué ce monstre, il va. Il va être. Tellement. Tourne bien le deck après les bans? Ah non, il a rien derrière. Oh, t'es chiant. Oh, t'es chiant. Ah, il a peut-être pas le renoncer en main, en vrai. On va prendre trop cher. Tu préfères quelle carte divine, Obélisque? Au niveau de sa puissance, c'est Obélisque. Après, sinon, au niveau classitude, c'est vrai que les deux dragons sont bien. Je vais top deck à Merse Fourrure, vous inquiétez pas.
Exact. On va mettre la trappe perfide face cachée, ça va lui faire peur. En vrai, j'avais tellement de létal si j'invoquais avec la pagaille Mercefourrure à une phase pour réinvoquer Donpa. Est-ce que t'as quelque chose en plus? Oh, c'était la win. Ah, la bonne pioche! Bah du coup, vous voyez que ça sert à rien. Hein. Mais ça va faire peur à l'adversaire. Si jamais il fait un cyclone cosmique, il va retirer du jeu une trappe. Non, il pourra pas utiliser le cyclone cosmique. Par contre, s'il a un renoncé, c'est terrible. Les chevaliers de gemmes sont viables pour le moment, ouais. Pas méta, mais viable, ça fait le taf. Merci. Oui, non, mais oui, ok. Deuxième pagaille. Ce qui me saoule, ce qui me saoule, c'est qu'il gagne du temps. Et bon, en plus, il joue un deck de 30 cartes. Je suis sûr que ce gars, il joue un deck de 30 cartes et il joue un renoncé. Ok. Ok. Non, c'est bon. J'aurais dû. Attendez. Oh, non. Mind phase. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Je suis sûr que ce gars est du genre à jouer un rituel du renoncé et un renoncé dans son deck de 30 cartes. J'aurais dû activer pendant la mind phase. Ok. Bon, j'ai pas à m'inquiéter, il va jamais activer une carte de boost d'attaque en damage step. S'il fait son boost d'attaque, il va le faire à la déclaration d'attaque. Donc, du coup, je mettrai la pagaille s'il faut. Pour battre mes fourrures, j'utilise un deck golem de lave à ma sauce, n'ayant pas toutes les cartes. Je trouve que ça marche bien. Possible. Formation feu Gyoku dans mes fourrures. À la place des hate grenades, à la limite. Puisque ça booste un petit peu. Si jamais t'as des bêtes guerriers. Quand tu veux, mec. Hein. Et bien sûr, c'est bien vrai ça, Jean-Tony TV. Oh bah, et mec, si je perds avec Mercefourrure contre un deck de 30 cartes, n'importe quel deck peut le battre. Hein. Pagaille! D'abord le donne pas. Comme ça. Voilà. Pour le deck Magic Dolls, on peut faire. Qu'une pudding cesse. Oh! Non! Oh, t'es sérieux? Ok. Réfléchissons. Ouais, les mers souvent sont pas durs à avoir. J'essaie de trouver un moyen de gagner. Il me reste 600, ça va pas le faire. Je vais le poser. Je vais le poser. Je pense que j'ai peut-être une solution, mais faut que j'ai de la chatte pour sur ma première sur ma prochaine pioche. Faut que j'ai un monstre Mercefourrure autre que bite prochaine pioche. Bite, pagaille et tu tuto Dyna Wiz. En fait, si j'invoque Beats, je fais rien après. Enfin, je fais la pagaille, je tuto un monstre, mais je ne peux pas l'invoquer ce monstre. Puisque j'ai encore. Puisque mon board sera plein. Et après, il a juste à attaquer avec son Zur sur mon Beats et je perds. C'est pour ça que je fais pas ça dans cet ordre-là. Je vais le laisser tuer Beats. Voilà. Tu testes dans combien de temps le deck au jam armé? Dans une demi-heure, un truc comme ça? À la session. Pagaille Mercefourrure. Donc du coup là je rappelle Beats. Pour l'instant le meilleur deck est Mercefourrure, clairement. Crois en l'âme des cartes. Mais je vais croire en l'âme des cartes. Donc là, si je pioche un n'importe quel monstre. Oh. Ok, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Activer effet. Et là, il me sort un grain interdit, je comprendrai pas. Je comprendrai rien à ma vie. Hop, invocation Recon.
J'active l'effet de beat, je vais chercher Daina et je tente. Mais il a cette carte face cachée qui me fait extrêmement peur. Oui, ça va, il me reste mon Daina que je n'ai toujours pas utilisé puisque je l'utilise qu'en une seule fois avec la baniste. Invocation normale. On va sacrifier le petit Danpa qui est là puisqu'il ne sert à rien. Activer la compétence. Et on va taper et serait sa victoire. Ah non, depuis tout à l'heure c'est une carte qui s'active, ça peut pas être un mur de l'interruption. Un invoté spécial contre. Exact. Exact Shiny. La win et après je regarde son deck. NON. Mur miroir. NON. Sérieusement, montrez-moi son vieux deck à lui là. Montrez-moi son vieux deck. Le mur. Mais regardez, regardez, j'ai fait le pronostic. Vous pariez combien qu'il avait un renoncé et une carte magie de rituel pour dans ce deck de 30 cartes. Un rituel, un renoncé et il a tous les pires trucs. Il a un homme avec un vja. Mais regardez le pire deck. Voilà, Merce Fourrure n'est plus tiers 1, les gars. Merce Fourrure tiers 3, genre, non. Mais je ne sais pas comment ce mec est arrivé en platine. Je ne sais pas. Ce mec devrait même pas quitter le rang argent avec ce deck. C'est un bon deck, je trouve. Vous avez déjà vu un deck avec le monstre Mercure l'excursionniste? Oui. On est 183 ce soir. Je vais le tester en vidéo. Bah vas-y. Vas-y Jean-Tony. Je veux te voir en vidéo avec ce deck. Mercerie reste très bon. Hop. Voilà, il y a du miel qui est sur le bout là. Du coup ça colle. Le bout il colle. Ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir. Oula. Je pense qu'il y a assez. Du miel qui colle, comme mon cosplay. Allez. Océan légendaire. Attends, qu'est-ce qu'il joue? Et il joue quoi quand il joue une compétence, non? Ah, il joue rien, ok. Trappo perfido. Trappo perfido, merci pour best équipe. Après, remontre-le et prenez des screens et envoyez-le... Moi en MP. Comme ça fait une bonne vidéo au niveau référencement. Voici le deck qu'Alex Yuki a affronté en live. Je teste ce deck. Recon. Activé. SSA et Mermail devraient faire mal. Ah skip. Après Mermail, j'ai jamais joué, hein, je connais pas. Tu veux. Bon, lui, il a été traumatisé par les Merce Fourrure, je pense. EZ. Tu penses quoi de Yuei? Ça peut être pas si mal. Donc ça, regardez bien, c'est le deck que Jean-Tony fera en vidéo soon. Donc à renoncer, un Jinzo, un Kiku, un Senju, un oiseau supersonique, insecte mangeur d'homme, sphère Kuribo, bah, tout ça, voilà. Deck héros de la destinée viable, héros masqué, ouais. Alors, UA, c'est quoi? C'est Ultimate Athlete. Ultimate Athlete. C'est un archétype de la prochaine box. En live, pas en vidéo, par contre, oula. Alors, ce gars n'a fait que argent et platine dans sa vie. C'est un deck full SR en plus. Non, non, il n'y a pas que full SR, mais il y en a pas mal, ouais. Sale con. Ah oui, exact. Sale Fortnite. Activez ça. Alors. Super ta vidéo. Ah, d'accord, j'avais pas vu ce commentaire avant.
Whiz! Defense mode. Activer l'effet. Et je vais prendre un down pas. Sacré commentaire ça. Moi je veux l'épingler. Pourquoi sur YouTube on ne peut pas épingler des commentaires de chat? Haha, laisse tomber, déjà que Jean-Tony galère avec les decks méta, il va jamais gagner avec un deck comme ça. Oh. C'est drôle. Moi j'ai trouvé ça drôle. Mais non. Mais non. Whiz me fait penser à Whiz dans DBS. C'est vrai que je joue avec... que je galère avec les decks méta, surtout que j'en joue pas. En plus, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Déjà qu'il joue pas au jeu. Avec ce kit, c'est Batman qui a essayé de t'appeler. Yep. Jean-Tony, il banne. Car il a plus de répartie. Non, mais il a pas ban le gars. Il a ban celui qui m'a traité de con. Le mec parlait d'Alex pour le sale con. C'était moi qui y traitais. Oh, Mare's Fury, rapace! Sacré Bruce. Ouais, sacré Bruce Willis, hein? C'est pas le même Bruce. Ok. Ok. Je donne pas, hein. Ça va faire mal. Hein. Pour les 1600. Ok. Duel intéressant. Hey, Trenade, et je suis vraiment bien. Oh, Recon. On va mettre Donpa. Donpa à vocation Louise. Et là, on fait du mal. On fait du sale. Exactement, Nightbot vous le rappelle bien dans le chat. Vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne grâce à Utip. En fait, vous allez sur le lien que Nightbot vous a mis dans le chat. Non ! Enemy Controller ! No ! Par contre, il fallait l'activer avant que j'active l'effet de mon Donpa. Ah, par contre, je vais peut-être perdre, non ? Ah non, j'ai Whiz. Allez, Recon, dégage là. Tu me sers à rien, toi. Tu ne me sers à rien et du coup j'ai le létal. Du coup vous pouvez aller sur Utip pour regarder des pubs et me rapporter de l'argent. De l'argent que je réinvestirai dans des boosters pour des ouvertures sur la chaîne. Ou d'autres choses, amélioration d'équipement. Donne pas, activez l'effet. À quel moment tu pensais que c'était une bonne idée toi? Et tu peux aussi devenir un pay to sub. Naibot qui rappelle tous les bons trucs, hein, tous les bons bails. N'oubliez pas de participer au concours et tenter de gagner un pouvoir du code. Déjà, c'est pas un pouvoir du code. C'est lien pouvoir codeur. Et le concours est terminé. D'ailleurs, le gars à qui... le gars qui a gagné, il a toujours pas répondu. Après, il est peut-être en week-end. Tu parles mal à tes monstres, Yugi et Jaden te flagelleraient. C'est vrai. On s'inscrit comment au concours quand il y en a? Alors, quand il y en a... D'ailleurs, du coup, là... Comme je... J'avais pas... Je crois que j'avais commencé à en parler, mais sauf que j'ai oublié de continuer. Il y aura un concours, d'ailleurs, la semaine prochaine. Enfin, dès demain. Pour gagner un abonnement Twitch. Un abonnement payant d'un mois. Et du coup, bah, je ferai pas... Enfin, il faudra juste être abonné à Twitch, en fait. Il faudra juste être abonné à Twitch pour participer. Je mettrai le lien sur Twitter, je mettrai le lien sur Discord, dans l'onglet communauté de YouTube. Vous inquiétez pas, vous serez bien prévenu. Pagaille, merce fourrure, Seal. Tu penses quoi du Dakar Démon avec Seigneur de l'Horreur? Seigneur de l'horreur.
Qui c'est déjà, Seigneur de l'horreur? Je m'en rappelle plus. Wiz, oui, gagner 500. Je fais ça jeudi pro. Terminer le tour. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que je ferais encore un lien, un concours via Glim. Et du coup, je posterai le lien dans le chat des lives. Mila! Ok. Je posterai le lien dans les chats de live, sur Discord, sur Twitter, tout ça. Et il faudra juste aller sur ce lien. Oh merde. Non, ça va. Il faudra juste aller sur ce lien et dire que vous êtes bien abonné à ma chaîne Twitch. Et de toute façon, Glim peut vérifier ça si vous êtes bien abonné à... Si vous followez bien, si vous suivez bien ma chaîne Twitch. Ok. Il peut annuler une carte magie partout. Bon, donc, de toute façon... Oh, bah ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool ça. Posé. Et on va terminer le tour. Sérieux, Alex, tu pouvais choisir entre Kaiba et Dike. Deka. Ouais. C'est or qui est son énorme... Quoi? Et Bad Gladiator, il est toujours aussi joué? Non, Bad Gladiator, non. Plus tellement fort. Je vais faire un deck avec Zork. Dice on your side. Très bien. Ah, Dr. Crawler avec Mika. Fear Diablo 4, viens de follow, bienvenue à toi. Ok, on va laisser passer. Hey, Tronade. Oh, je peux pas aller le chercher. En fait, j'aimerais bien garder ma trappe perfide pour son magicien silencieux niveau 8. J'aurais pris Donkey comme perso. Terminer le tour. Surtout que là, il va pas faire grand-chose. On pourra obtenir Zork dans l'event de demain, oui. Hey, sérieux, Alex, tu pouvais choisir entre Kaiba et Decade, mais ça voudrait dire quoi, ça? Alcatraz 411 vient de follow, bienvenue à toi. It's un free to follow. De Maven Bakura, hype over million. Johan vient de follow, bienvenue à toi. T'as enlevé la sonnerie bizarre de la dernière fois? C'était pour les sponsors, les pay to sub. Et j'ai changé, oui, c'est autre chose. Ok, rideau de magie noire. Bon, du coup, il est à 3000 et c'est un petit peu chiant. Oh, c'est chiant. Ok, on va laisser passer, on va laisser passer. Ah mais non, il veut annuler une magie par tour. Pay to subway. Allez, on aura un don pas de toute façon au prochain tour. Ah, Mathieu Torisson vient le follow, bienvenue à toi. Viens. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, c'est ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch. Le lien est dans la description, puisque je vais encore faire un live, tous les jeudis. Tous les jeudis, je live aussi sur... Ah non, c'est un Recon, c'est pas ce que je voulais exactement. Ce n'est pas exactement ce que je voulais. Recon! Fais quelque chose. Recon! Et ouais, donc le lien est dans la description et je fais à peu près ce que je fais aujourd'hui, mais plus tôt, hein, puisque le deck Ojam Armé XYZ, je l'ai montré d'abord sur Twitch. Et surtout, généralement, on est moins nombreux. Donc en fait, pour les sessions abonnées, vous avez plus de chances de m'affronter.
Pourquoi tu joues que un Daina puisque c'est la version du deck après la banlist? Tu feras quoi comme jeu après Rezef? Attack Force. D'ailleurs, chose... Ah non, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler. Faut faire avec la place qu'on a pour les persos craclés. Du coup, j'active Recon. Il fera ZF. ZF. Trop ZF. Wiz, redonne-moi 500 points de vie. Enemy controller. Ok. Imaginez, il sacrifie son propre magicien. Ce serait vraiment trop drôle. Non, tu fais pas ça par contre. Tu ne fais pas ça. Moi je te dis tout de suite, hein, tu ne fais pas ça. Tu vas présenter un nouveau deck au Jamasoon? Oui. Normalement mardi. Du coup, il est toujours jouable le deck? Bien sûr. Ça c'est... Ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo où je parle de la banlist. Le deck est nerf. Il n'est pas tué, il est nerf. Et ça, c'est bien. C'est contrairement à Sylvan qui, lui, quand il y a eu la banlist, il est mort instantanément. Là, le deck Merce Fourrure, pour moi, est plus équilibré. Il reste fort, mais il est équilibré. C'est un petit peu moins stupide qu'avant. Il y a trop de gros monstres, ça me saoule. Il y a un regard trop comment dire. Idaina et deux donne pas, ça passe pas dans la banliste aussi. Si. Dans notre deck, on peut avoir qu'une seule carte limitée et que deux cartes semi-limitées. C'est pas pareil. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui confondent ça. Ils pensent que, par exemple, je peux mettre qu'une seule carte. Sinon, ils mettraient tout en semi-limité en fait. Si c'était le cas. Bon, là, je détruis ça, mais derrière, il va y avoir un magicien silencieux niveau 8. Donc ça va pas être ouf. Je vais prendre cher. C'est quoi l'event de demain, Ezor, que c'est quoi exactement? Tu verras demain. Franchement, même moi, j'ai pas trop compris comment va se jouer l'event de demain. Une carte. Il a pas invoqué le niveau 8? Quoi? Il joue pas le niveau 8 dans son deck? Ok. Si vous voulez, je vous montrerai le deck de l'adversaire. What? Et en plus, il peut même pas invoquer puisqu'il a utilisé le rideau. Enfin, si, il peut poser. Ok. Donc, le bonus est live. La présentation du deck Chevalier Gemme, je peux le faire sans Kuribo et se faire Kuribo parce que je n'en ai pas encore. Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes cartes face cachées? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que ça te sauvera? Non! Vous savez où l'on peut consulter la banlist sur Duel Links? En vrai, je ne sais pas où elle est. Bon, après, tu regardes dans les dernières notifications, ils l'ont mis. Mais Eltronade! Oh! Y a rien qui chaîne. Hop. Ouais, je les vois tes sphères, Kuribo. Eh bah, on a gagné, enfin. Settings du jeu. Ouais, c'est peut-être dans les settings du jeu. Bon. Ou sur Game A. Ouais, sur Game A. Il y a Game A, il y a sur Duel Links Meta. Attendez. On va essayer de chercher ensemble. Cherchons ensemble où trouver la banlist. On va déjà dans les notifications, là c'est sûr, voilà, implémente. J'ai failli shooter dans ma tasse. On va ici, vous allez au sujet de la liste des cartes interdites limitées. C'est pas ici. Détail de l'implémentation de la liste. Là il y a tout, et historique des modifications de ça. Oh, il y a tout l'historique, je ne savais pas. Donc, le... Ah, je me souviens, le 3 août, ils avaient limité Restructeur Evolution. C'était la première banlist, la grosse banlist. Alors par contre, vous êtes sérieux de me faire retourner totalement en arrière juste pour regarder encore ça. Et après, c'était Vigilance de Champion, Rituel de l'Ange, Esprit,
Bon, par contre, on va pas tout faire. Hein. Donc, en gros, c'est là. Et après, apparemment, c'est dans les settings. Interdit limité, ouais, exactement. Non, absolument pas. où est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Tu pourrais faire voir le deck de l'adversaire SCP. Ah oui, c'est vrai. Alors, tu jouais quoi, toi? Tu jouais quoi? Mais si, il avait... Il y en avait un. Pourquoi il l'a pas invoqué? Attendez. Si cette carte est détruite au combat, ou si cette carte par son propriétaire est détruite par un effet de tir... Depuis votre main ou deck? Pourquoi il l'a pas invoqué? Ah, le rideau! Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte, mais vous pouvez poser. C'était le rideau! J'avais oublié! Putain. Alex, tellement l'intelligence d'avoir pensé au rideau inconsciemment. Il ne pouvait pas l'invoquer à cause de ça. Putain. Pour une fois que mon inattention me conduit pas vers un misplay. Pourquoi il fait nuit dans le jeu? Parce que c'est une option que je peux activer. Et du coup, bah, il fait nuit. Oh, je passe légende si je gagne. Mais sauf que je suis contre un Merce Fourrure. Ouais, c'est un Kaiba 20 cartes. Attendez, les gars. Oh! Chef pour lui. Ah. On va le défoncer! On va le défoncer! Oula. Ça va être difficile à passer tout ça. C'est un Red Ice, t'inquiète. Un Red Ice zombie. Pour Merce, il vaut mieux Kaiba ou Crawler? Bah, personnage qui a raclé. Ta Merce, Alex, tu dois gagner. Oh! Ça va être difficile. Ça va être difficile tout ça. Oh putain. Je pense qu'on va pas passer. Je pense qu'on va pas passer. Sauf si j'arrive à le bait, à activer l'effet de la Wiz sur ma pagaille. Ça passera pas. Alex, tu peux expliquer quoi? Il y a un salon comique sur ton Discord, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah ouais? Moi non plus, je comprends pas. Victor le cyborg. défonçons. 400 points en moins. Terminé le tour. J'ai eu la pire main. Le comique, c'est Shinny. Ouais, j'avoue. Mais Shinny, c'est tellement un comique. Un ouf. Bon, du coup, il va invoquer quoi, là? Ouais, il va invoquer... Draina. Ok. S'il récupère ça... Excusez-moi. Zed Warrior vient de follow, bienvenue à toi! J'ai pas envie de savoir Shinny. Pourquoi il attaque en premier avec lui? Ok. Ok. On va prendre les dégâts. Meilleur deck, c'est héros masqué. Non, pour l'instant, c'est Merce Fourrure. Je réfléchis. Pagaille. Allez, là il va activer Wiz. Il va tellement activer Wiz de façon tellement bête. Oui! Yes! Yes, 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 yes.
Bon, en vrai, ça me... Je pense qu'il n'y a rien pour me sauver derrière, en fait. Je suis content, mais... Mais derrière, en fait, j'ai rien. Enfin, si j'avais un autre monstre mer-souris à place de Hatred, oui, il y avait quelque chose de bien à faire, mais là, en fait... Non, ma game de montée! Ma game de montée! Dyna te sauve, bien sûr. Sachant qu'il est... Non. Ok, non mais bon, oui. J'ai que les Kuribo ailés, c'est... Non, les Kuribo ailés, c'est pas bon dans ce deck-là. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Nightbot, qu'est-ce que t'as supprimé? Je vois pas. Ah oui, il a balancé plein de... Si tu avais SSA, tu aurais win. Déjà, les Sinnames parleraient. Donc, tu avais win. Voilà. Montée Cog. Mais oui, c'était la montée Cog. Le nerf prend effet quand? C'est le 28, un truc comme ça. Ciré. Non! Bonsoir, Winterfrost. Non, c'est la game de montée légende. Puisque nous, montée coque du pauvre. C'est exactement la montée coque du pauvre. C'est perdu. Pas grave, pas grave, pas grave. Duel. Bah, c'est la méta pour cette banlist. J'ai tellement hâte d'être demain pour le cavalier squelette Def Calibur. Vous pouvez pas savoir. Il y a le Def Calibur dans le prochain event. Oxygube! Viens de follow, bienvenue à toi. Comme par hasard, tu perds à cette game. J'ai perdu contre un Mersfourrure, puisque Mersfourrure, c'est imbattable. J'ai juste à win 2, je sais. Encore un animal qui a 30 cartes. Et encore une main dégueu. On va poser les deux. C'est quoi le prochain event? C'est l'event des dés de Bakura. De Bakura, Yami Bakura. Bon, les gens ils rigolent beaucoup moins. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu Yu-Gi-Oh! Oh non, c'est pas un animal! Oh là là, c'est 30 cartes. Ouais, oh, pas mal. Jeu Bakura du manga. Ok. Ok. Non, c'est pas celui du Duc d'Evelyn. Mais t'es sérieux? Posé. Il a l'air bien, je le télécharge. Ça va être long à télécharger, mais bon. Des coups! Des coups va arriver. Waouh, il va faire des... Il va faire des sacrés smash, des coups. Donc ouais, il va envoyer un machin. Donc il a 3 guerriers magnétiques au cimetière. Donc s'il peut invoquer un Valkyrion en sacrifiant, en envoyant au cimetière Delta. Donc faudra faire gaffe à ça. L'herbe a l'air plus verte. Bah. Oh bah ouais. Ok. Pfouh! Oh les deux pulsations, ça fait mal ça. Il a perdu deux pulsations, un bêta et un machin comme ça. Hop, ouais. Oh là, ça va être chiant. Gamma, il a combien de guerriers magnétiques au cimetière? Je crois qu'il en a 5. Donc si j'en détruis un, il peut invoquer et un deuxième, ça marchera pas. Trap perfide, faut garder. Et on va prendre des dégâts. Et il me faudrait un Dyna. Il me faudrait un Dyna ou non, un autre monstre mer-souffrure, genre. Un Donpa serait vraiment pas dégueu. Comment est prévu la sortie?
Oh putain, mais c'est quoi ce deck Mercefourrure où je pioche dans mes 6 premières cartes 2 bits et 4 magies. Magie piège. Terrible. Trapo perfido. Tu peux pas faire ça. Oh. Et je peux pas. En vrai, je pourrais jouer beat, mais après derrière, je n'ai. Même si je survis, je n'ai rien pour me remettre. Faut que j'ai 2 mercefourrures dans ma main. Mais il a combien de delta, à un moment? Oh. Allez. Allez. Vas-y, invoque-nous plein de trucs. Trap perfide. Boum. C'est un free-to-play, bien sûr. Allez, hop. Trap perfide. Si je ne l'active pas maintenant, je pourrais plus l'activer. Et donc, celui du milieu va se faire détruire 2 fois. Et je ne sais pas comment jouer Fourrier SSA, moi. Il y a un moment, t'as cru que j'étais quel genre de gars. Allez, invoque Valkyrion, là. Rugeki. Par contre, Shinny, terrible. Hein. Shinny, je crois qu'on devrait l'enlever de modérateur. Avec ses... Ah oui, désolé, t'as un low IQ. Mais j'ai un low IQ, t'es terrible. Genre, je ne peux pas... Je peux pas jouer ce genre de deck. Moi, je peux jouer que Mercefourrure classique. C'est pas... Après, ça ne va pas. Bon, on va passer sur Ojama. En duel contre les abonnés et les pay to sub aussi. Hop, tout recevoir, donnez-moi mes récompenses. 30 gemmes en plus. Et j'ai quoi comme mission là? Faire 5 duels. Super. Gimme. Et je veux prendre Shad. Ojama armée XYZ. Hop. Et let's go. Donc, je vais juste cacher le jeu. Tout va bien, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça. Alors, attendez. Ça, je cache. Ça, je cache. Puisqu'on ne joue plus ce deck, de toute façon. Session de duel. Donc, pour rappel, à tous les lives, on fait une première partie où on fait le ranked. Voilà, une petite heure du ranked, on essaie de monter. Ensuite, on passe sur la session contre les pay to sub. Qui sont les pay to sub? Ce sont les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. Et pourquoi j'ai quitté la session de duel, je ne sais pas. Qui soutiennent financièrement la chaîne. C'est-à-dire qu'ils payent 4,99 par mois pour avoir certains avantages qui sont listés dans la description. Et on peut remettre le jeu. Dont, en fait, cette session abonnée, cette session pay to sub, où, en fait, je leur donne directement l'idée de la session et ils viennent m'affronter. Et si vous êtes présent pendant le live, je vous affronte à coup sûr. Alors, du coup, on va affronter Sirius. Tu touches combien sur les 4,99? Sur les 4,99, ça dépend de Twitch ou YouTube. En ce moment, comme je ne suis que affilié Twitch et pas partenaire Twitch, je gagne, c'est kiff-kiff entre YouTube et Twitch. Hein. C'est la même chose, c'est à peu près... je touche à un peu moins de 40% des 4,99. Parce qu'il n'est pas énorme en soi. Hein. Alors que c'est là pour soutenir le YouTuber, mais bon. Puisque... Enfin, sur YouTube, normalement, YouTube prend 35%, mais après, il y a mon network qui prend encore une part, donc je me retrouve à pas beaucoup, en fait. Les bannis, c'est chiant. Non, les bannis, c'est bien. J'ai oublié de mettre... de l'extra deck. Pas grave. On va poser ça. C'est pas grave. J'ai oublié de mettre les divers fusions. Je vais les mettre après.
dès le 22, je vais react tout le monde au tournoi de Draco 7-7. Du coup, banlist dès lundi. Banlist, non, la banlist, c'est le 28. Oui, j'ai oublié les XY, XZ et tout ça. Ok, Alien. Why not? Normalement, ouais, je crois que c'est le 28, le mardi, pas cette semaine, la semaine prochaine. Ok. Ça passe, et ça c'est bien pour nous. On va activer l'effet de Ojama bleu du coup. On va rajouter à notre main Ojamatch. Et... est-ce qu'on a envie de... oui, Ojama simulation en vrai. On va rajouter les deux cartes. C'est quoi le prochain event? L'event des dés de Bakura. Et ce sera demain. Et bien sûr, n'oubliez pas, à la fin du... dans la dernière partie de live, il y a les duels contre les abonnés, hein. Gratuit. Ok. Duro. Dragon armé niveau 5, ok. Là, en stand-by, ça va m'activer Ojamatch. Activé. J'ai même rencontré un abonné de la maille IRL. On va envoyer au cimetière. Village Ojama, c'est pas encore très utile, j'ai envie de garder... oh, on s'en fout en fait. Allez, dégage-toi. Ah, mais je peux pas aller chercher le Ojama... bon, je suis obligé de prendre le Ojama jaune. Et le dragon armé niveau 3. Vampire, c'est fun et fort. Yep. Donc on va invoquer normalement le monstre, on va invoquer normalement le dragon armé niveau 3. Toujours dans ma standby phase. Donc du coup, comme je suis toujours dans ma standby phase, j'envoie le dragon armé niveau 3 au cimetière pour invoquer niveau 5. On va invoquer celui qui est dans le deck, pour que ça vide. Et surtout que je vais pouvoir défausser celui que j'ai en main pour détruire son monstre. 250 millions de cannes. Ok. Si tu le dis. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Il y a un truc face cachée qui est un petit peu chiant, donc... après, je peux go l'état, là. Je peux go l'étal, mais ça va être assez dur... enfin, ça dépend de sa carte face cachée. Allez. Ça dépend de sa carte face cachée, en fait. Si c'est un contrôleur d'ennemis, j'ai pas le létal. Je pense que j'aurais peut-être dû faire la... recombinaison de cellules A, ok. Recombinaison de cellules. Ah, ok, bon, c'est la win. C'est la win. Contrôleur d'ennemis. Ouh, sacrifié. Tu fais quoi, en fait, avec Oja Masturbation, quoi? Allô? Nani? Et c'est le métal! Ouh, j'avais oublié qu'il y avait ça. Je me doutais pas que ça pouvait être ça. On va continuer à attaquer, oui. Oh! Ojama tier 0! Nice! Alien trop cancer. Oh les gars! En vrai, ce nouveau deck Ojama, genre, je le trouve vraiment drôle. Eh! Hey Nani. Alex Low IQ. Qui c'est lui là? Qui c'est lui là, eh? C'est qui lui là, eh? Alex Low IQ. Icon tier 0. Ouais, j'avoue, c'est plutôt ça. Regardez-le, lui. C'est qui, lui? Si c'est full cog, c'est Elec. Ce salaud. Cette salope, je voulais dire. Bon, je ne sais pas qui c'est. Décline ton identité! Ne serait-ce quand même pas classique qui fait genre. Mais non, le classique, il a pas de rang légende. J'en sais rien. Qui es-tu, Alex le YQ? Oh bah, sacré main. Oh bah, sacré main. On va rester sur ça, en vrai. Ou j'aime bleu.
Est-ce que... Ouais. On va terminer le tour. Non, j'ai rien dit. Si, j'aurais pu faire ça à la fin de son tour. Avec son playback sleeve, jouant Tekkaman. Ah bah voilà, si, c'est classique. It's classic. Ok. Waouh, faites gaffe, il a posé une carte face cachée. Me faut un deck free to play sympa et compétitif SVP. Merci fourrure. Tu joues au jam. Bon, par contre, arrêtez avec vos jeux de mots. Classique en légende, Alex Wow. Alors, il utilise Alex Wow, mais il n'est même pas sponsor, il n'est même pas pay to sub. Nul. Hop, Jamarch. Oh! Oh, il joue Dark World! Monde ténébreux, mais sauf qui? Tu vas me dire que t'as activé ça, mais t'as pas de monstre monde ténébreux à défausser? Voilà, Chine, t'as pas d'argent. Voilà. Donc tu peux juste te contenter de faire 2 points, Alex underscore wow, 2 points. Allez! Classique. Classique qui est en train de suer. Il est en sueur après que son deck Monde Ténébreux n'arrive pas à piocher les bonnes cartes. Alors que moi, tout mon avenir est tracé dans cette main. Ojamandala, non, pas utile dans ce deck. Ah non, il a pas voulu défausser Snow. Ok, il a le sac juste. J'avais oublié ça. Ah mais non, du coup, il a pas détruit mon monstre. T'es au chômage. Ça, c'est une très bonne écriture. Hop. Oh, j'en match. Ouais, on va envoyer lui au cimetière puisqu'il ne sert plus à rien. On va rajouter Ojama jaune et Dragon Armée niveau 3. On va invoquer normalement Dragon Armée niveau 3. Invocation. Activé. En effet, on peut l'envoyer au cimetière. Invoquer Dragon Armée niveau 5. Hop! Pas celui qu'il y a dans la main. Est-ce que j'ai l'étal d'une façon? Absolument pas. Attendez, si. Il faut que j'envoie depuis votre main. Si j'ai l'étal. Si j'ai absolument l'étal. Hey, Trenade! Dragon armé niveau 5! Défausser ça! Absolument létal! Oh, j'ai ma simulation! Oh, j'ai ma souris! Yep-o! 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 Yep! Et du coup, nous allons pouvoir invoquer lui. Et le dragon. Tout en mode attaque. Voilà. Putain! Mais regardez! Putain, mais nouveau deck tier 0. Waouh. Waouh. Oja Simitruc. Simutruc. C'est niveau 45 de Shad. Je crois. Niveau 45. Ouais, niveau. Niveau 40 ou 45? 45, je crois. Ouais, 45. Gilgamesh! Ou j'en m'achète, quoi. Oh là, Stageman qui... Stageman TV qui nous a marqué un truc pendant... qui a dû mettre 2 heures à écrire quelque chose. Sauf que je n'ai pas envie de lire. Voilà. Putain, mais vous avez les pires jeux de mots avec Ojama, c'est terrible. Ah, celui-ci. Les cartes de grand-père! Terre des Ojama. Ah, mais sauf que mon deck ne te laissera aucune chance. J'ai tellement de chance avec ce deck. Ojamalou. M-A-2-L-O. Ok. Ok. Enfin un deck Exodia Necros. Yes, un deck Exodia Necros.
Ojama! Ah, j'ai que le village Ojama envoyé au cimetière, c'est bien dommage ça. On va ajouter l'Ojama bleu. On va ajouter le dragon armé niveau 3. Invoquer normalement un monstre sur le terrain, yep! Dragon armé niveau 3! Balance ton Ojama. Hashtag balance ton Ojama. Et on invoque le dragon armé niveau 5 depuis le deck! Et d'ailleurs, vous aurez noté que je ne joue plus le niveau 7 dans le deck. Hein. Ça ne marche pas, le dernier. Yamete, non. Yamete. Ojama masochiste, oui, ça marche. On pose ça. On met le bleu. Ojama se bouffe. Et on tape. Big guy! Quoi? Nani! Regardez max 5 cartes du dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck de l'ordre de votre choix. Nani? Ojama Alex. Ojama, tu passeras Kog. Ça passe pas très bien, ça. D'où biche et gardien du tombeau chez Yugi Muto. Parce que c'est une personne fidèle. Dragon armé niveau 3. Je préfère invoquer lui, puisque je sais qu'il va faire full défensif, donc je n'ai pas rien à craindre. Sauveur Bacon. Mâchoire, bras droit, Kuribo, lézard, vermine bubonique, jambe gauche, vermine, Kuribo, jambe droite, il manquait un bras, marchand ésotérique, Exodia, il manquait un bras qui n'est pas au cimetière. Oh non, c'est un dieu. C'est un dieu. Ah oui, c'est idée de session. Les idées de session n'est pas encore publique. Je sais pas s'il y a un sponsor encore derrière. Un pay to sub. Je veux dire. J'arrête pas de dire sponsor. J'ai toujours l'habitude, mais c'est un pay to sub. Necros Poggers! Allez. Mec, je le laisse jouer autant de tours qu'il le faudra. Il l'invoquera, son Exodia Necros. Je m'en fous. Il l'invoquera. Ok. Ouais. Tu lui fais du dragon armé niveau 3. Hop, on va invoquer ça. Hop. Lui, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu! Il a encore le sauveur Bacon qui va activer son effet. Ah, du coup, bon, là, il legit, il peut se sauver un tour. Ça, c'est bien, ça. Non, en vrai, je peux activer ça pour gagner. Mais non, allez. Oh, il a full carte pour tempo, en fait. C'est pas les meilleures cartes hein, pour se sauver. Ok. Sylvan est vraiment injouable. Il n'est plus compétitif du tout. Genre, le deck manque de bonnes cartes. Ah bah, réincarnation de monstre, ça c'est cool. Il n'a pas envoyé Exodia Necros au cimetière avec ça. Oh, j'ai mastiqué le bourreau. Non mais tu vas vraiment me dire que ta dernière partie d'Exodia est encore dans tes 3 cartes. Ok. Poser ça. Ah, mais elle était là. Bah, il aurait pu... En vrai, t'aurais pu utiliser la réincarnation de monstre pour l'envoyer au cimetière et activer Exodia Necros. Et aller chercher je ne sais quelle autre carte, mais juste pour l'envoyer au cimetière. Comme ça, t'as les 5 parties. Du coup, il a les 5 parties d'Exodia au cimetière. Là, il peut invoquer Exodia Necros. Eh, c'est vraiment un deck Exodia Necros, du coup. Attendez. Attendez, je veux retrouver la carte. Qu'est-ce qu'il a? Ça! Mais c'est en plus, c'est de la main!
Mais cette carte est tellement injouable! J'avais oublié ça! Il faut invoquer l'Exodia Necros depuis sa main! Oh là 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 là! Mais c'est vraiment le pire deck ever, ça! C'est tellement le pire deck ever! Tu te calmes, non? Je peux pas me calmer! Genre, à quel moment? À quel moment c'est quelque chose qu'on peut jouer comme ça? Allez, on va jouer sérieusement. On va jouer sérieusement. De toute façon, je le tue pas, mais... Hop, ça se dégage. Enfin, on va jouer sérieusement. Je veux le laisser... Mais pas toi, Alex. Si Sylvain est mort, Sylvain aussi, ça sert plus à rien de le jouer. Le pouvoir du Christ cosmique est parti. Idée session, mais... Par contre, celui qui spam idée session... Ok. Alors toi, t'as pas l'air d'avoir compris, surtout bloquer temporairement l'utilisateur. Voilà. Terminer le tour. J'ai répondu en disant que pour l'instant, c'est la session pay to sub, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès encore à la session. Je ne sais pas s'il y a un autre pay to sub. Contre avec Exodia! Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que fait Exodia Necros déjà? Il faut placer en mode défense. Alors, ininvocable machin, peut seulement être invoqué avec contrat avec Exodia, non destructible ni au combat ni par des effets de carte magie piège. Une fois par tour, durant votre standby phase, cette carte gagne 500 pour l'attaque. Détruisez cette carte sauf si toutes ces 5 cartes sont dans le cimetière. Ok. Gros gros monstre en tout cas. Ce moment de classe. Vu comment il est chiant à invoquer, il lui faudrait une animation. Il faudrait une animation et il lui faudrait surtout un bon effet. Puisque genre... Enfin, indestructible au combat et aux effets de cartes magie piège, ok. Mais genre, il y a les effets de monstre encore, c'est pas invincible. Et il gagne 500 points d'attaque chaque tour. Hey, Tornade! Hey, Tornade! Active ta carte, je sais pas ce que c'est. Ça va être une trappe perfide. Genre d'avarice. Mais non. Mais en vrai... En vrai, si je ne pouvais pas le détruire facilement par l'effet de mon dragon armé niveau 5, je le défonçais. Ok. 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 Imaginez, il me rajoutait les 5 parties d'Exodia. Ok, on va reposer ça. Et on va activer l'effet du Dragon Army niveau 5. À quand Adekojama lundi. Mardi. On envoie ça au cimetière et on détruit Exodia Necros. Voilà. aïe. Ce deck, ce monstre est tellement nul. En tout cas, c'est la première fois qu'on me le joue, ça c'est bien. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas... Oh non, il survit un tour. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Ce monstre ne vaut absolument pas l'immense difficulté de l'invoquer, pour l'invoquer. Genre, 5 cartes au cimetière, il faut avoir la magie et il faut avoir ce monstre en main. Si encore ça l'a invoqué depuis le cimetière ou le deck, c'était un petit peu mieux. Mais il faut l'avoir en main. Il faut invoquer 5, il faut envoyer 5 cartes spécifiques au cimetière. À quel moment? Trappe perfide. Imaginez, faut l'invoquer 100 fois. Je pense que certains l'auraient déjà fait, mais ce serait assez insane. Oh, du coup, il active quand même son effet. Non! Non! Il va gagner à la meule! Il va gagner à la meule! En plus, c'est nuire. Oui, bon, genre, la rareté, on s'en fout. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais bon. Tu as détruit comment le Necros avec l'effet du Dragon Armé niveau 5? Son seul point faible, c'est qu'il peut être détruit par les effets de monstre. C'est justement ce que j'ai. Ne pas treacherous trap hole à la une phase. Mais est-ce que je joue sérieusement contre un deck... Il va me sortir le troisième truc Kuribo, là. Non, je m'en fous de ça. Hop, tape-moi ça, là. Oh non, ça va être un truc qui va prendre le contrôle d'un des monstres. Oh,
Il va... Enfin, non, en vrai, c'est lui qui va perdre à la meule. Je m'en fous, allez. Mes deux dragons armés, tapez-vous. Assaut Amazones, meilleur qu'Exodia Necros. Exodia Necros ne peut pas être détruit, donc ouais, l'assaut Amazones le retire du jeu. Voilà. Nice. GG. Il a eu les balls d'invoquer ce monstre. Et ça, c'est bien. Ah oui, je suis le vrai Shad. Hein. Je suis le vrai Shad. Elec. Tu vas subir le courroux de Shad. Chaz it up. Chaz it up. On va chaz it up avec ce deck. Et après, je pense que c'est session. Session pour tout le monde. Ah bah, Elec partage le truc. Du coup, je vais changer de deck. Qu'est-ce que je pourrais jouer après en deck drôle? Tu veux investir dans Ombre du Valhalla ou t'en as eu de assez de 5 packs? J'ai pas vraiment les moyens de m'investir plus dans les boosters, surtout que juste que je joue pas IRL. Donc en gros, si j'ai les boosters, c'est vraiment pour essayer de... Ben, c'est pour faire de la promotion pour Konami déjà. Ça je m'en cache pas, mais je prends vraiment du plaisir à ouvrir des boosters. Et surtout que... Ok, un Endless. Et surtout que... Les cartes que j'obtiens dedans, c'est souvent pour la revente. Sauf si c'est pour ma collection de waifu. Ça, les waifu, je les garde. Du coup, on va prendre Ojamash. Et on va prendre Ojama jaune. Endless. Moi, je joue IRL. Donc ouais, en fait, quand je vous dis dans les vidéos que je veux telle ou telle carte, c'est vraiment pour la revente quand ça cote beaucoup. Ou les waifu. Les waifu. Allez, Ojamash. Il va me sortir un truc assez incroyable contre. Ça va être incroyable. Waifu. MDR, tu vas présenter ta collection de waifu. En fait, genre, toutes les waifu, j'ai un tas de cartes. Mais il faudrait que je les mette dans un classeur. Il faudrait que je m'achète un autre classeur. Puisque tous mes autres classeurs sont déjà utilisés pour trier mes cartes à la revente. C'est-à-dire que j'ai un classeur pour les rares, super rares. J'ai un classeur pour les ultra rares. J'ai un classeur pour les secrets. J'ai un classeur pour les... On les appelle les mosaïques rares, je crois. La rareté des gueux. J'ai un classeur pour les magies pièges, pour les monstres magie communes. J'ai un classeur pour les pièges communes. J'ai un classeur pour les gold. J'ai un classeur pour... Je sais pas si j'ai dit le classeur pour les secrets et les ultimates. Donc j'ai plein de classeurs en fait pour tout ça. C'est assez énorme. Vous pouvez invoquer normalement un monstre... Oui. On veut voir tout ça. Bah, en vrai, je peux refaire une vidéo sur mes ventes. Mes ventes de cartes. Je pense que je ferai une vidéo comme ça, mais après les tinbox. Je veux invoquer Dragon Armé. J'ai tout ce qu'il me faut, quoi, ouais. Clairement, vu que je vends pas mal sur Card Market, j'essaie de bien m'organiser. C'est-à-dire que même pour les lettres... Genre, c'est des lettres à bulles, c'est très bien protégé. Hein. Si jamais vous commandez chez moi, voilà, je fais mon petit placement de produit à moi-même. Genre, c'est du bon, quoi. Genre, c'est très bien protégé, les cartes sont sleeve. Et des fois, je rajoute quelques communes. Ok, on met ça. Mais vu que la semaine prochaine, double cyclone. Ok. Le streamhack. La vidéo sera rediffusée, oui. Tous les lives sont rediffusés. Si vous allez dans la description, vous aurez le lien de ma chaîne de rediffusion. Ok. Pourquoi il fait ça? Ah oui, il a une tornade violente. Ok. Il a une tornade violente. Donc, ma chaîne de rediffusion qui s'appelle... Ojamash. Qui s'appelle Alex Yuki VOD Live. Hop, on envoie ça au cimetière.
où en fait, eh ben, je rediffuse tous mes lives, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et invoqué normalement, oui, Dragon Armé niveau 3. Non mais oh. Hop. C'est la stand-by phase la plus longue que j'ai jamais faite. Les autres modérateurs ont disparu. Mais en fait, Elec est toujours là, mais elle est en train de m'affronter. Donc bon. Elle peut pas parler. Hey, Tornade! Tête de dragon. Alors, mer fourrure, toujours viable, oui. Oui. J'avais presque. Non, j'avais presque l'état, mais pas grave. Bon, Sami Kamal, au cas où tu n'aurais pas compris, ça ne sert à rien de répéter ta question 15 000 fois. Si tu continues, je peux te ban de façon permanente. Tu peux jouer Ra avec Ojama. Orama. Ça serait imbattable. Non, ça ne serait pas imbattable. Voilà. Oh là. Chaîne explosive. Qu'est-ce que. Ok. On va poser ça. Hop. Hop. On met tout en mode défense. Il a un petit peu trop de points d'attaque. Je joue Mersourur avec qu'un bit. Il restera rentable aussi. Bah, il faudrait du coup d'autres bits, hein, puisque avec le fait que tes autres monstres seront limités et que tu auras moins de chances d'avoir le Daina ou Danpa, genre il te faut absolument. Waouh, Eternade. Il te faut absolument les bits pour aller les chercher. Un bit, c'est trop compliqué. Genre, c'est en fait le fait que Mersfourure restera bien viable après, c'est qu'il y a toujours le beat. Même si les cartes sont limitées, on pourra toujours aller les chercher avec beat pour augmenter les chances de l'avoir en main. Si tu n'as qu'un seul beat, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Donc du coup, bon, j'ai perdu. Quand on aura Rafale. Mais Rafale, je ne sais même plus ce qu'il fait, Rafale. Vous êtes sale. Ah. Sunless 2018. GG. Je vais juste changer de deck. Qu'est-ce que j'ai comme deck que je pourrais utiliser? Les lolis. Il y a les lolis aussi. Chevalier noble, non. Non. Merce Nombran. Bah, Insector, on a déjà utilisé ça jeudi, quoi. J'ai encore le Aval. Ouais. On va utiliser Bastien. Bastien Aval! Ils sont au niveau max, tes personnages? Non, ils sont pas tous au niveau max. Il y en a pas mal qui ne sont pas au niveau 45 encore. Hop. Je vais m'obstiner avec ce deck, hein, Laval. Un jour, je crois que j'ai une bonne necklist, hein, ouais. Gekuga, je l'ai pas affronté, non. C'était pas un sub. C'était pas un pay to sub, non, on est d'accord. Je sais pas pourquoi son nom me disait quelque chose. Allez, let's go. Hop. Non, je ne vais pas faire une vidéo Farmera. T'as déjà battu quelqu'un avec la Val? Oui, je dirais qu'il a gagné plusieurs fois. On peut débloquer Zayn, oui, mais pendant son event, ce qui n'est pas. Et bon, son event n'est pas en cours, donc non. Après les beats, ça parle de Bastien Aval. Je confirme, c'est un peu sale. Tu es de quel département? Le 7-7. Le 7-7 Zair. Alors, comment ça se joue déjà? Ça, il faut que j'ai un monstre déjà au cimetière, non? Ouais. Ok. Ok.
Let's go! Cyclone Cosmic! Le fameux Alex Dix, etc. Vivement Super Jesse. Je ne sais pas ce que pourrait proposer Super Jesse. Activer la compétence, comme ça on a... Puissant comme le feu! On va invoquer Flouji. Tu connais Dreux dans le 28 alors? Je sais pas si on parle de moi. Je ne connais absolument pas le 28. Je ne connais absolument pas Dreux. Non. J'ai vu les cartes Pokémon, quoi. Destroy this monster. Bien. Terminer le tour. Essaie de te souvenir de moi, Archibald. Mais je me souviens. Par contre, les gars, comment ça se fait? Arrêtez de me citer trois fois. C'est, vous êtes... Ça rend le chat plus... encore plus compliqué à lire. J'ai pas envie de... Quand je vous vois spammer le même message, ça ne me donne pas envie de répondre, en fait, les gars. Oula. Oula, je vais prendre cher. Oh là là, les gars, je vais prendre du cher, hein. Je vais prendre un peu cher. Un Dre 3, exact. Arrêtez de me dire des noms assez incroyables de villes de je ne sais quel pays. Je ne connais rien en Belgique. Arrêtez de me poser des questions sur vos villes. Blaster Laval! Laval, ça fait quoi? Et bah, en fait, il faut envoyer des monstres au cimetière et après, ça active des effets. Pour les monstres sur le terrain. J'envoie 5 cartes et pour chaque monstre Laval, il gagne de l'attaque, c'est ça? On activera plus tard. Ok, ça passe au-dessus. Et bah, on va réactiver le Vortex. On va retirer du jeu 2 monstres. On va retirer du jeu le Flogis et le Blaster dans le Meunier. J'avoue. Ça peut marcher avec l'herbalaire plus verte. Ça peut marcher, il y a des versions comme ça. Après, je trouve que c'est plus optimisé dans une version 20 cartes. Dans cette version-là, elle est pas si dégueu. Hop. Hansa Mehmed, si tu veux des conseils, je t'invite à aller sur le Discord. Il y a des helpers qui sont là-bas, qui sont régulièrement cog, qui suivent très très bien la méta, qui jouent mieux que moi, hein, clairement. Et si tu leur poses des questions, ils vont t'y répondre et... Oui, ils pourront répondre à toutes tes questions. Triangle mystérieux. Oh, terrible. Bien joué. Les filles, merci, quoi. La prochaine box principale sortira quand? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous savez, les dates, c'est Konami qui les donne. On ne peut pas trouver les dates avec les leaks. On ne les trouve que... quand Konami partage, justement, dans les notifications. Si ce n'est pas dans les notifications, on ne peut pas connaître la date de la prochaine box. Et Bichou. Eh, Bichou, eh. Je ne l'ai jamais affronté. Let's go. Dans la description. Oui, le Discord est dans la description. Mais Nightbot, il est tellement... Nightbot est tellement intelligent, chaque fois qu'on parle du Discord, hop! Le petit message Discord! Non, je ne ferai pas un dab. On aura quoi au programme de la semaine prochaine? Tu me parles le programme de quoi, Sébastien? Nightbot, il spam, il faut le ban. Tellement. On pose ça. Terminer le tour.
La prochaine fois, c'est 5 minutes. pour m'avoir demandé un ban, ouais. Faut pas me demander un dab. Ok. Ok. Wait, Keith restored ou mes yeux ont une latence invisible? C'est bien possible. Je ne sais pas comment se passe l'event qui arrive demain. Jamon TV est de retour. Blastle Ball! Quelle vidéo la semaine pro au Jama? Ah. Blastle Ball. Alors, je pense, on va faire 5 cartes déjà. Je réponds à ta question juste après. Oh, et boum! Quoi? Pour 200 points. Il y a combien de bases? 1200? Ah oui, il a quand même bien gagné. Et on va attaquer. Attends, c'est quoi son effet déjà, lui, là? Ah, j'ai pas 3 monstres avec des noms différents. Alors, j'étais sûr que j'allais me prendre ça. Terminer le tour. Donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, au niveau des vidéos, il y aura toujours 3 free time. Je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a Byakuya, il y a Asaina et Chihiro, je crois. Les trois comme ça. Il y aura le dernier épisode de Resef mercredi. Il y aura une ouverture de Tinbox 2017 le week-end. Il y aura 2 présentations de deck comme d'habitude. Il y aura Ojama sûrement le mardi. Et vendredi ou aux alentours, ce sera, je pense, Zork. Je pense que j'essaierai de faire un deck autour de Zork. Ok, ok. Bon, Laval, ça passe pas très bien, en vrai. et c'est à peu près tout. Au niveau des lives, je le rappelle, mais je ne live pas que sur YouTube. Hein. Il y a aussi Twitch. Lien dans la description pour mon Twitch. Où vous pouvez... tiens, Upsilox, ça me dit rien du tout. Pouvoir t'affronter. Donc du coup, mardi 20h30 sur Twitch... Premier live sur Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu. Premier live let's play sur ma chaîne Twitch. Et on va faire ce jeu. On va essayer de faire ça sur les prochaines semaines, tous les mardis à 20h30. Et sinon le jeudi toujours à 20h30 sur Twitch, Duel Links. Donc ce sera le soir où je présenterai un petit peu en avant... Où je montrerai en avant-première mon deck Zork, je pense. Ou d'autres cartes, ou d'autres decks qui sont possibles de faire avec l'event de Bakura ou des autres cartes ajoutées entre temps. Ça c'est quoi déjà? Ouais, on va poser ça. Hein. On va poser ça. Et on va poser ça aussi. Et on va terminer notre tour. On doit être quoi pour l'affronter, le rang? Il n'y a pas de rang minimum. Vous venez dans la session... que Kelek a partagé plus tôt, je sais pas si elle est pleine là. Et je vous affronte totalement random. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Je n'affronte pas les decks méta. Vas-tu faire Danganronpa 2? Combien de fois j'ai répondu à ce commentaire aussi? Oui, je ferai bien sûr Danganronpa 2. J'ai oublié de préciser que je n'affronte pas les decks méta, c'est-à-dire que ne me sortez pas Héros Masqué, Amazoness, Mers Fourrure, Homme Batterie, j'oublie sûrement d'autres trucs, tout ce qui est très très fort. Là, on est là pour jouer fun. Me sortez pas des decks qui vont me rape. Là, déjà que je me fais rape naturellement par les decks qui sont pas méta, alors si vous me sortez du Mers Fourrure après... voilà. Ah, moi j'ai pas encore le loup de la peste, hein, c'est terrible. Zombie, oui, vous pouvez. Vampire, non. Vampire, non, c'est méta. Rape égale viol. Oui, j'avoue. Tu vas commencer à perdre des cheveux à force de répéter les mêmes choses, Alex. Je pense que ça fait partie... Je commence à m'y habituer, même si ça m'énerve toujours de... Terre des Ojama, c'est pas méta, voilà, ça c'est les bons trucs. Même si je... Enfin...
C'est vrai que ça m'énerve beaucoup de devoir répéter des choses, mais c'est vrai qu'à chaque live, il y a de nouvelles personnes, à chaque vidéo, il y a de nouvelles personnes, donc c'est un petit peu normal de répéter. Ce que je comprends totalement. Mais ça m'énerve quand même. Je comprends pourquoi il faut répéter 10 000 fois, mais bon. Et c'est pour ça que les helpers sont là sur le Discord pour alléger un petit peu. C'est les métiers qui rentrent. C'est pour ça que les helpers sont là, puisque, genre, quand on jamatch, nice. C'est pour ça que. Ils sont là pour répondre à tous ceux qui demandent où trouver certaines cartes, alors qu'il suffit simplement d'aller dans studio de cartes, catalogue de cartes, comment obtenir. Voilà, ils sont là pour répondre à ce genre de questions. Ok. Dragon armé niveau 7, c'était pas nécessaire de l'ajouter à la main. What the fuck? Donc, comment tu joues au chamatch, toi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon portable qui a vibré. Après, je pense que le pire, c'est quand on me pose une question par rapport à quelque chose que je dis en vidéo. C'est-à-dire que dans mes vidéos Duel Links, ça m'énerve quand les gens me disent comment on obtient cette carte alors que j'ai bien fait une notification au-dessus de ma tête à chaque fois pour dire comment savoir où trouver une carte. Vous faites studio de cartes, catalogue de cartes, comment obtenir. Dragon armé niveau 7, l'animation! Pas de méta et hold méta rend. Hold méta ça va, hein, franchement. Je veux bien. Hein, puisque c'est nerf. Mais genre méta actuel, ne me sortez pas ça à un moment. Pas de deck sans le chevalier mirage. Imagine, tu représentes une émission de téléachat. Voilà, tu t'estimes heureux de répéter les infos Yu-Gi-Oh! Plutôt que du shopping. Hein, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est bon vrai ça. Et même, hein, t'inquiète que enfin, normalement, sur nos vidéos, on est un petit peu censé aussi répéter pas mal de choses pour que ça marche bien. Genre, par exemple, ce qui fait que mon Discord marche bien, c'est que je rappelle très souvent. Enfin, je vais prendre cher là. Ce qui fait que beaucoup de gens connaissent mon Discord, c'est que à une période, j'en parlais presque toutes les semaines de mon Discord. Là, il y a une période où j'en ai pas trop parlé et bah du coup, bah il y a moins de gens qui rejoignaient. Feu, du feu, mur du feu des Vorans. Ok, on va me poser ça. Donc Exodia, c'est bon. Oui, Exodia, c'est bon. Ouais, du genre abonnez-vous, bordel. Non mais les gars, genre dire en début de vidéo abonnez-vous, likez, ça c'est, je pense que c'est. C'est chiant pour ceux qui regardent, mais c'est vrai que ça a tellement un impact. Ça a tellement un impact sur les vidéos que bon. Puisque les gens, en fait, finalement, regardent. Genre, ils regardent. Il y a très peu de gens qui regardent les vidéos complètement. Hein. Je vois mon watch time. Je sais plus à combien il est. Il doit être 33, 30%, un truc comme ça. Mon watch time augmente, hein, vu que mes vidéos sont de plus en plus courtes. Et c'est vrai que tu te rends compte que bah les gens par exemple sur représentation de deck ne viennent que pour regarder la decklist. Ils regardent même pas mes explications, ils regardent pas les duels. Ils prennent juste la decklist et ils s'en vont. Hop, je prends cher. Et ça se voit avec Yugimoto qui a full like dans ses ouvertures d'ailleurs. Mais oui, puisque en début de vidéo il est là, liké et tout. C'est ça qui marche bien. Puisque, en fait, les gens n'ont pas la. Les gens n'ont pas le réflexe des fois, il faut leur rappeler. Il y en a qui ont le réflexe de liker direct en arrivant, mais pas tout le monde. Donc on est là pour vous le rappeler. Pourtant, la partie duel est la plus marrante dans tes vidéos. Mais oui, mais il y en a qui regardent juste la decklist. C'est d'ailleurs pour ça que je vais arrêter de le faire en fin de vidéo. Moi, je le rappelle toujours en fin de vidéo, quand même. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Après, je pense les gens ont un QI négatif, c'est tout. Faut rappeler tout aux gens, c'est ça. En gros, ils regardent tes vidéos, le son baissé, MDR.
pas compris l'idée, mais ok. Perso, je fais honneur à tes vidéos et ton travail de montage. Merci à toi, Sébastien. Et à tous ceux qui font de même. Et à tous ceux qui font de même. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, que, au fur et à mesure de... qu'on avance dans le temps avec la chaîne, j'essaie de faire des vidéos plus courtes. Pour tout ce qui est let's play, je pense que ce qui sera toujours le mieux, ce sera 30 minutes. Pour les let's play, faut qu'il y ait pas mal de contenu. Mais par exemple, sur des présentations de deck, 20 minutes max. 20 minutes grand max, c'est déjà suffisant. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est en face? Dragon Cyber Ultime, c'est fun only, pas méta. Oh oui, un dragon Cyber Ultime. Let's go. Sortez-moi ça. Hein. Sortez-moi ça. Boum, on pose ça. Terminé le tour. Es-tu toujours en contact avec Alex Yu-Gi-Oh? Alex Yu-Gi-Oh n'est plus en contact avec personne. Il a quitté le YouTube game. T'inquiète que je connais à peu près toutes les personnes du Yu-Gi Game actuelles et... Bon, je parle pas à tout le monde régulièrement, mais j'en connais certains. Et plus personne n'a de nouvelles d'Alex Yu-Gi-Oh. À Skip, il voulait reprendre YouTube. Bon, ça fait un mois qu'il a dit ça. Hein. On va activer le meunier. Le format 20 minutes, ça change au début, mais on s'y fait. Mais en fait, les gens avaient surtout peur du format 20 minutes en se disant oh, ça fait moins de contenu, alors qu'absolument pas. Ça fait... Puisqu'en fait, je fais beaucoup plus de coupures dans le format 20 minutes. Comme j'ai plus le temps en ce moment, je fais des coupures et il y a toujours autant de duels. Mais je coupe tous les moments où, par exemple, l'adversaire met 30 secondes à jouer. Et c'est vrai que quand tu enlèves 30 secondes ici, 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes ici, c'est vrai qu'au final, ça enlève pas mal de minutes hein, dans la vidéo. Et c'est mieux, c'est plus dynamique, je trouve. Du coup, je peux invoquer le Brelair. Du coup, il fait quoi, lui? Lorsqu'un autre monstre que vous contrôlez inflige des dommages au combat. Ok, c'est pas mal, ça. On va mettre ça en mode attaque. Un deck Toon aujourd'hui, c'est sympa. Ça peut être sympa, faudrait voir. J'ai les FEG Mini Toon, je crois. Retirer du jeu! On va poser ça. Déjà, ça fait envoyer un monstre à la vague depuis votre main au cimetière. C'est bien nul, ça. Cette carte est tellement nulle. Je la joue, mais je n'ai aucun espoir dans cette carte. Joues-tu le deck Laval par plaisir? Absolument, hein, puisque... Genre... Non, ce n'est pas compétitif. Là, je vais enfin avoir une victoire avec. Peut-être. Avec un petit peu de luck. Hop, terminé le tour. Deck Toon, c'est pas méta, non? Je jouerai un deck Toon jeudi, si tu veux. Let's go. Pourquoi tu fais pas des lives que sur YouTube? Parce que Twitch, c'est mieux. Parce que Twitch, c'est mieux, et en fait... je parlais... C'est vrai, on m'avait posé encore la question la dernière fois. L'une des principales raisons... Je le cache pas, hein, moi je m'en fous. Hein, puisque je compte vivre en partie de mon activité de vidéo. C'est que Twitch est beaucoup plus rentable au niveau des lives. Au niveau des lives que YouTube. Au niveau publicitaire. Genre, les lives YouTube au niveau publicité, ça rapporte rien. Alors que sur Twitch, c'est beaucoup mieux. La part que je touche sur les abonnements payants sur Twitch est plus importante que sur YouTube. YouTube, ils te prennent... Genre, si vous me donnez 5 euros pour l'abonnement payant, il me reste plus que, je crois, 30-40%. Je me souviens plus le truc exact. Attendez, je vais changer de deck. Donc, financièrement, c'est mieux. Je trouve que... Le système est mieux pour de l'entraide entre streamers. Attendez, je vais juste... L'entraide de streamer. Faut pas que j'oublie où j'en étais. Tiens, Gravekeeper. Tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre ce deck. Tu as 160% du don.
Non, j'ai pas 60% du don, non, non. Sur Twitch, c'est 70%, un truc comme ça. Après, non, ils enlèvent certaines parts pour les impôts, tout ça, et il reste 60%, peut-être, un truc comme ça, c'est vrai. Hop, on va prendre ce deck. L'entraide YouTubeur, l'entraide streamer. Puisqu'en fait, sur YouTube, c'est pas ouf. Genre, t'as... Tu peux pas faire de la pub à d'autres streamers. Genre, par exemple, moi, ce que je fais régulièrement sur Twitch, c'est que je peux host des streams d'autres personnes. Quand moi, je ne suis pas en live, je peux diffuser sur ma chaîne, totalement légalement, en fait, ce qui rapportera des vues et des abonnés à une autre personne. Oh! Pablo Leg vient de follow, bienvenue à toi. Par exemple, si Jean-Tony est en train de live sur Twitch en même temps et que moi je suis pas en train de live, bah, je me dis, tiens, je vais faire un petit host. Et donc en fait, les gens qui sont sur ma chaîne Twitch, eh bien, au lieu de voir un live de ma part, ils verront un live de Jean-Tony et du coup, ça leur fait peut-être découvrir Jean-Tony qu'ils ne connaissaient pas. Du coup, ils vont voir son stream, ils vont faire, ah, mais il est pas mal. Donc ils vont le follow. Ils vont aller voir ses streams régulièrement. Ça, comme c'est un très bon système pour faire de la pub à d'autres personnes. Par exemple, moi ce que je fais régulièrement, c'est que voilà, si je n'ai rien à faire, je me dis, ah bah tiens, allez, je me balade sur Twitch, je cherche Duel Links. Hop hop hop. Ouais d'ailleurs, go follow, on reprend après si j'ai l'envie. Voilà, Jean-Tony TV sur Twitch. Moi je tape Duel Links. Ah oui, c'est vrai que je joue Restart, mais non, je vais pas jouer Restart. Je tape Duel Links, Yu-Gi-Oh! Duel Links sur Twitch. Je cherche les streamers français qui diffusent du Twitch, du Duel Links. Coms, Vincent, viens le follow, bienvenue à toi. Comme Vincent. Viens le follow, bienvenue à toi. Et dès que je trouve un gars, je regarde, je me dis, oh, ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et du coup, je le host. Comme ça, les gens qui me suivent sur Twitch. Bah, ils le verront et ils vont peut-être le découvrir, sachant que généralement les gens qui streament du Duel Links, genre, je les vois, ils sont à 5-10 visionnages, enfin des gens qui regardent le live. Donc moi, autant que je partage un petit peu ma notoriété, en tout cas les gens, ma popularité, je sais pas comment dire, mais le fait que j'ai pas mal de public. Pour leur faire de la pub. Vous faire découvrir d'autres personnes. RGZir Zitror vient de follow, bienvenue à toi. Du coup, on va mettre ça. On va passer en Battle France. On va faire ça. Et même, en fait, aussi tous les. Par exemple, ce que j'aime bien aussi, c'est. Les c'est pas des applications, c'est quoi en dessous des lives? On va dire des applications, oui. Devint des protecteurs du tombeau. On va activer son effet, oui. Non. Je sais pas, c'est des applications, des trucs comme ça, on va dire. Qui sont en dessous des lives. Par exemple, il y a sous les lives Twitch un classement des personnes qui parlent le plus sur le live, sur les lives. Voilà, puisque pour certains, ça leur fait plaisir de savoir que d'avoir une petite reconnaissance parce qu'ils sont là à tous les lives. Ça, c'est bien. C'est bien sympa. Par exemple, si vous me followez, si vous êtes un abonné payant sur ma chaîne, vous avez des emojis exclusifs à ma chaîne que vous pouvez utiliser sur les autres chaînes d'autres streamers sur Twitch. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube et c'est assez chiant. Puisque moi, bon, je sais pas combien j'ai d'emojis sur YouTube. Mais vous pouvez. Ces emojis, si vous êtes un abonné payant, vous ne pouvez les utiliser que sur YouTube. Vous ne pouvez pas les. Enfin, vous pouvez les utiliser que sur mes lives. Par exemple, si vous allez sur un live de Jean-Tony, vous ne pouvez pas utiliser mes emojis. Donc c'est un petit peu nul. Est-ce qu'Alexuki a un. Pour projet de faire un ou des streams de Monster Hunter World. Non, absolument pas. Tu connais Fire Emblem et sinon. Je connais Fire Emblem, yep. Mais pas trop intéressé. Quel altruiste, Alexuki.
Je vais profiter de ta fame aux autres plus petits. Voilà, c'est ça. Avec cet influenceur de qualité, c'est super cool les lives sur Twitch. Yep. Et merci à toi Nicolas U pour les 5 euros de super chat. Salut Alex Yuki. T'es parti en vacances cet été? Question hors sujet. Non, je ne suis pas parti en vacances. Les gars, je suis au chômage. CSP. Mais moi, je vous appelle ça, j'appelle ça le chômage, puisque c'est, vous comprendrez plus facilement. Donc je vais pas partir en vacances. Genre, je travaille sur mon projet futur. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au Pôle Emploi dès demain pour essayer enfin de mettre ma situation, d'éclairer ma situation. Ouais. Youpi, une fille, je me sens moins seul. Mais non. Twitch plus adapté au stream. Oui, mais Twitch est plus adapté au stream. YouTube plus adapté aux vidéos. Donc voilà. D'ailleurs, maintenant, tu sais ce que signifie le C de CSP. Mais j'ai dû savoir à un moment, mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus exactement. Et donc, ouais. Bon, c'est un petit peu ma vie. Soon, une boîte Web TV. C'est ça, exactement. Non, en fait, je vais pas trop donner de détails, j'aime pas trop ça. Je vais parler un petit peu de ma vie privée, mais en fait, je suis au CSP chômage, CSP slash chômage, même si c'est pas la même chose, mais vous comprenez, c'est-à-dire que je suis sans emploi, avec quelques aides, du coup, pour récupérer un emploi. On va poser ça. Depuis le 1er juillet. Et la galère que c'était, bon, il faut remplir des tas de papiers, on envoie ça. J'ai eu mon premier rendez-vous au Pôle emploi mardi, là. Mardi. Mardi, oui. Oui, mardi. Un mois et demi après. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu mon allocation du mois de juillet, alors que je n'ai rien fait. Enfin, si, j'ai travaillé sur YouTube. Donc, je fais quand même des trucs qui sont utiles pour gagner de l'argent. Mais, genre, nous vivons quand même dans un sacré pays. Je n'ai absolument rien fait pour le Pôle emploi. Je n'ai rien justifié ou quoi. Et je gagne de l'argent. Ça, c'est vraiment cool. J'adore ce pays. Je suis vraiment pas trop bien. Je suis vraiment pas trop bien. Mais en gros, en fait, j'ai pour but de créer une entreprise, en fait, les gars. Et sauf que pour l'instant, je ne suis pas trop sûr si je vais faire une SARL ou si je passe en auto-entrepreneur, donc auto-entrepreneur micro-entreprise. Donc je suis pas trop décidé sur ça. Et il faut que je me décide sur... et en fait, pour faire... pour commencer un petit peu mes recherches sur certaines choses pour mon entreprise, il faut absolument que je sois... Il faut que mon entreprise existe. Il faut que j'ai un cabis, tout ça. Sauf que pour l'instant, je ne sais pas encore si je dois être auto-entrepreneur ou une entreprise, SARL. Et du coup, j'attendais que... Non ! C'est pas ça que je voulais faire. Bon, de toute façon, j'ai perdu. Donc j'attendais que le Pôle emploi m'aide sur ça. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de retard. J'espère que ça bougera un petit peu au mois de septembre, puisque sinon... Tu as quel âge? 21 ans. Merci, je viens de te follow sur Twitch. Merci à toi, RG Zitror. Tous mes personnages ne sont pas niveau max, non. Pôle emploi, c'est une grosse galère. Mais c'est une grosse galère, c'est... Genre... Les gars... Je reçois un courrier 10 fois. 10 fois, ils n'ont pas arrêté de me le rappeler. Qu'il fallait que je sois là mardi pour... pour rencontrer mon conseiller Pôle emploi. Je suis allé là-bas. Au final, ce n'était même pas un entretien one-on-one. Je ne rencontrais pas un conseiller. C'était une réunion où il y avait 10 autres personnes, 10-15 autres personnes, et où en fait, ils nous présentaient ce qu'était le CSP, alors qu'on avait tous accepté, et normalement, quand on accepte, c'est qu'on sait ce que c'est le CSP. Et du coup, toute la matinée, en fait, ils nous ont parlé de ça. Ils nous ont expliqué le CSP, ce qu'il fallait faire et tout. Alors que moi, non, c'est pas ce dont j'ai besoin. Moi, ce dont j'ai besoin, d'ailleurs, mon prochain rendez-vous est demain matin, voilà.
Ou enfin, j'aurai une conseillère qui me dira, qui m'aidera. Genre, je ne suis pas devin, je ne suis pas. Voilà. Dernier duel, by the way. Ouais, bon, là, je raconte ma vie, hein. Vis ta vie comme tu le souhaites, tout simplement. Oui, tu vis ma vie. Mais, genre, j'espère pouvoir bouger, puisque moi, je veux pas rester. Je veux pas vivre des aides toute ma vie, hein, ou pendant un an. Moi, j'aimerais bien que mon entreprise soit créé le plus rapidement possible, que je puisse me faire de l'argent, quoi. Que je puisse gagner de l'argent en travaillant, pas gagner de l'argent grâce à des aides. C'est stupide. Oh, j'aime pas cette même, mais bon. Je sais qu'il y en a qui profiteraient bien de ça, mais. Non, moi je veux travailler pour gagner. Je veux gagner de l'argent en travaillant, les gars. Pôle emploi, ils servent à rien, ils réclament juste des thunes et tire-toi, n'attends rien d'eux. Non, mais les gars, je veux juste qu'ils me conseillent sur certains trucs et après je me démerde, hein, vous inquiétez pas que. Après, si la meuf me raconte de la merde, je verrai un vrai conseiller, je devrais payer un vrai conseiller, mais. Je suis déter, les gars. Qui est Messenger Entreprise de quoi? Pour l'instant, je ne dis rien. Pour l'instant, je ne dis rien. Je ne spoile pas. Mais ça aura un rapport avec YouTube. Enfin, dans l'entreprise, l'une des activités, ce sera ma chaîne, en fait. J'aurai deux activités sur mon entreprise. Je vais dégager lui. Donc en fait, enfin, mais. Enfin. Genre, ma chaîne YouTube fera partie d'une entreprise. Je pourrai déclarer mes revenus. Ça va être très très cool. Tu as essayé la chambre de commerce? Faudrait que j'essaie la chambre de commerce au pire. J'avais déjà été pour voir le régime de l'auto-entrepreneur, mais je crois que pour mon activité, l'activité que je veux faire, ça va pas. Auto-entrepreneur, c'est ça va pas aller. C'est pour ça que je veux plus de conseils par rapport à ça. Je vais me faire défoncer là. Vous parlez des cartes pendules, j'aimerais en faire un deck. Philippe Hulin? Tu peux aller sur le Discord en effet, et il y a des channels TCG où tu peux poser des questions sur les decks pendules, exactement, les decks pendules, Link, tout ça, tout ce qui est jeu de cartes réel. Et du coup, Melkor Sik, ça, vient de follow, bienvenue à toi. Une entreprise de lingerie féminine avec des dessins Yu-Gi-Oh! Dessus, bon plan, bon plan. Comment c'est pas ça? Comment ça, c'est pas ça? C'est bon dommage ça. C'est bon dommage. Ça va avoir ça, on va poser ça. Et on va terminer notre tour. Force à toi en tout cas, je te souhaite de réussir. Merci. Merci les gars. J'ai pas de Discord, moi, ou plutôt, il n'y a pas de salon TCG sur le mieux. Go voir chez Alex ou Jean-Tony. Oui, enfin, sur mon Discord à moi. Oui, voilà. Tout dépend surtout des charges que tu veux, peux, va payer, non? Oui. C'est ça, en fait. Puisqu'en fait, le truc, c'est que quand tu es en micro-entreprise, auto-entrepreneur, tes impôts sont prélevés sur ton chiffre d'affaires. Alors que si t'es une entreprise, tes impôts sont faits sur. Oh, t'es terrible, toi. Tes impôts sont faits sur ton bénéfice. Donc, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Selon ce que tu fais, si par exemple, si j'avais une activité qui fait masse marge, je pourrais être auto-entrepreneur. Mais si j'ai une activité, par exemple, de vente, où ma marge pourrait être. Enfin, si mon bénéfice représente
20 ou 30% de mon chiffre d'affaires. Ben, genre, si t'es en auto-entrepreneur, les impôts bouffent toute ta marge, en fait. Bouffent tous tes bénéfices. T'es coq 5 ou 6 fois, je crois que c'est 5 fois. Ah, tu parles à Valt. Moi, je dois être coq 5 fois. C'est pour ça qu'il vaut mieux obtenir ton statut d'entreprise seulement à partir de tes premiers bénéfices. Comment ça? Il faut obtenir ton statut d'entreprise seulement à partir de tes premiers bénéfices. Oui, mais si, mais il faut. Alors, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il faut commencer en auto-entrepreneur dès que tu fais du bénéfice? Tu fais le statut d'entreprise? C'est sur quoi tu partirais? Hugo, je l'ai pas affronté, hein, on est d'accord. Bon, il a aucun duel, donc ouais. Tout à fait, Sébastien. C'est comme ça que tu partirais? Oui, puisque de toute façon, en fait, pour faire du bénéfice, déjà, il faut avoir la. Faut déjà avoir l'entreprise. Ou en tout cas, auto-entrepreneur, micro-entreprise. Et toi aussi, Alex Yuki, t'as Messenger? Non, j'ai pas Messenger, arrêtez. Non, je ne compte pas jouer à Duel Génération. Faire un deck avec Horus, Dragon des Ténèbres? Non, je ferai pas. Et Yuki, pourquoi Mercfourrure et Force sur Dueling, c'est pas en compétition TCG? Parce que c'est. Absolument deux mondes très différents. Tout simplement. Sinon, tu devras payer des charges dès le début sans savoir si ton business marche. Tente ton truc et quand tu vois que ça marche, passe en auto. J'ai pas tout compris. No joke, j'ai pas tout compris. Utiliser la compétence. Non, je n'active pas la compétence. On pose ça. On pose ça. Comme par hasard, quand j'enlève une carte ou deux de fusion de mon deck au Jama, j'en pioche plus, alors qu'avant j'avais que ça au univers. Je suis assez d'accord avec Sébastien, ça me semble plus rentable, surtout si tu ne connais pas trop les bénéfices éventuels que tu peux avoir en fonction de ton activité. Oui, mais les gars, je ne sais pas si vous comptez, comment vous comptez partir en premier là, dans ce que vous m'expliquez. En fait, vous voulez me dire qu'il faut que je fasse mon activité avant de faire une entreprise ou auto-entrepreneur? Mais en fait, pour mon activité, déjà pour débuter mon activité, je suis obligé d'être une entreprise pour pouvoir contacter certains partenaires, en fait. Il faut que j'ai un cabis pour pouvoir commencer. Je sais que ce avait pas mal parlé des entreprises, des statuts, comment, etc. dans ses lives. Cause toujours, c'est la vie d'un youtubeur, si jamais tu. Après, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puisque lui, il parle des statuts, entreprises, tout ça, pour les youtubeurs. Moi, youtubeur, c'est qu'une partie de ce que je veux faire. Puisque ma partie youtubeur, streamer, tout ça, c'est totalement. Ça fait être une petite partie, quoi. Totalement différent. Ça me rapporte. Ce n'est pas assez rentable pour que je fasse une activité seulement de ça. Non, je vais pas faire ça. Comment faire un deck dragon? Non. Non. Un contrôleur d'ennemis. Zerator, il a réussi, lui. Lui. Oui, mais les gars, ça, c'est des personnes qui. Oh, ok. Ok, il a fait ça comme ça. Mais ça, c'est des personnes qui, oui, étaient déjà très connues sur YouTube et qui pouvaient faire leurs activités. Moi, je ne suis qu'un petit. Activité avant entreprise, c'est ça. Après, si tu as besoin de négocier avec d'autres entreprises, ils peuvent t'exiger que tu aies le statut d'entreprise, c'est ça, Alex. Oui, c'est ça, en fait. J'ai besoin d'un cabis, tout ça, Siret, pour pouvoir. Voir avec d'autres entreprises en fait. C'est obligatoire. Comment tu vas faire ça? Exocedor. Oh mince.
J'aurais dû le détruire avant. Ça change rien. Ah si, ça détruit mon monstre. C'est quoi la nouvelle decklist de Mersfourure? Merci d'avance. Faudra voir sur la rediffusion qui sera sur ma chaîne avec Suki VOD Live, bien dans la description. Tu penses quoi des gens qui pensent que Yu-Gi-Oh! C'est pour les enfants? Ils sont idiots. Pour la énième fois, SSA Fourrier. En tout cas, ma decklist à moi de Fourrier va être dans la prochaine rediffusion. Et elle est que il y en a qui ont partagé. Il y a une decklist Fourrier SSA sur le Discord. Ouh, double marée miroir temps. Ok. Yu-Gi-Oh, c'est de l'argent. Je vais en mettre un juste après. Ok. Donc il faudra voir sur le Discord pour la. Pour un deck. Pour un deck Mersfourure post-banlist. Ton avis, Alex? Un groupe Lynx? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que t'allais dire... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Saito? Hop, spécial. Gagner 10 duels. Et du coup, les super chats, ils sont toujours aussi buggés sur... sur les lives. Hein. Ils apparaissent pas sur le live. Mais au moins, je les vois dans le chat. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais il y a plein d'infos sur Internet, ils m'ont déjà partagé ça, faut que je check tout ça. Du coup, on va se laisser là pour ce soir, j'espère que vous aurez apprécié ce live, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié, on a bien parlé, c'était très sympa. Et du coup, bah, on se retrouve pour les prochains lives, mardi 20h30 pour du Pokémon Donjon Mystère sur Twitch. Toujours sur Twitch, jeudi 20h30, Duel Links. Et le prochain live sur YouTube sera dimanche à 20h30, comme d'habitude, sur YouTube. Duel Links, tout ça. Et voilà, je vous dis bonne soirée. Et bah voilà, on se retrouve la prochaine fois. Bye tout le monde!